Salut et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer pour un 20 minutes let's play sur le jeu Tunnel B1 numéro 322 sorti en 96. J'ai bien retenu ma leçon. Donc c'est parti, on lance la galette, la musique de la PlayStation. Comme d'hab, ça change pas. Alors c'est un jeu un peu spécial, hein, Tunnel B1. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Space, hein. D'ailleurs, on voit la jaquette, hein, on voit que la jaquette, c'est pensé un peu à Tchernobyl. Hein. Alors, c'est fait par Océan. Océan, j'ai Joséphine. J'ai bien fait la mise à jour. Voilà, hop. Voilà. C'est école de vin. Hein. Alors, Océan, ils ont fait plein de jeux. Hein. Sous mon préféré, c'était Jurassic Park de Chaos Continu. Ah, j'avais kiffé. Et celui-là, au début, je l'avais eu peut-être avant d'avoir sur PS1, j'avais peut-être eu sur Saturn avant. C'était perché comme jeu. Hein. Il y avait de sacrés jeux hein, dans les années 90. Vous allez voir. Hein. Alors, on prend. En français, bien sûr. Voilà, faut appuyer sur le bouton start. Alors, je vous dis, c'est pareil, j'ai pas joué depuis des années. Hein. Donc, je redécouvre aussi. Hein. Je me rappelle juste que ça se passait sur des autoroutes. C'est les dernières images que j'ai en tête. Non, c'est pas dégueulasse, hein. Graphiquement c'est beau. Hein. La cinématique est plutôt pas mal. Là, ils mettaient le paquet pour la PS1. Hein. Il faut savoir qu'avant, on était sur des jeux à cartouche. Il n'y avait que ces gars qui avaient misé sur le CD, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas si bien fonctionné. Pourtant, il y a eu des pépites hein, sur le Mega CD. Hein. Peut-être qu'un jour, je vous ferai les Let's Play sur le Mega CD. J'ai quelques pépites. Hein. J'ai un Sonic 3D, j'ai Power Rangers, j'ai Jurassic Park, bien sûr. Donc, tout ça, ça sera testé. Maniac Mansion, non, pas Maniac Mansion, c'est Night Trap, pardon. Mais les conditions ça n'a rien à voir. J'ai des belles pépites hein, sur la Mega CD. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Tunnel B1. Tunnel B1. Alors, je ne me rappelle plus du tout. On lance, vous voyez que c'est sorti en 96. Alors je crois que je l'avais acheté. Je me rappelle que je l'avais acheté sur Saturn. J'ai des souvenirs de l'avoir acheté sur Saturn à Score Game à l'époque. Et celui-là, bah, après je l'avais repris à Score Game en PlayStation. Mais c'est pas le mien, je crois. Non, c'est pas le mien d'origine celui-là. Parce qu'il n'y a pas la notice à l'intérieur. Bon, bah là, ça c'est bon. Bah, on va voir les options. On a la carte mémoire. Faut savoir que oui, c'est vrai que certains jeux de l'ère PS1, les débuts, n'avaient pas forcément des sauvegardes. On ne peut pas forcément tout sauvegarder. Hein. Des fois, c'est souvent des mots de passe. Hein. Mais ça commençait à venir, les cartes mémoire. Donc, difficulté, ouais, j'ai sûrement pas. Hop, on va prendre le maximum. C'est un 20 minutes let's play, donc on ne peut pas faire tout le jeu non plus. Hein. Meilleur score. Alors, c'est quoi le meilleur score? Wiwa. Hein, Wiwa, c'est pas Olivier Wiwa. Olivier Wawa. Alors, 1 500 000. L'autre, il a fait 101 000. Eike, Jan, elle a fait 54 000. Mike, il a fait 32 000. Et Jens a fait 20 000. Cerberus, Perséphone, Eurydice, Atisateus, ok. Bon, bah, c'était parti, hein.
C'est parti, mon kiki. Alors, je vous fais découvrir le jeu, hein, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. À vos marques. Non, j'ai Orpheus active. Ah ouais, j'ai même pas le temps de lire. Objectif principal, sortir du niveau pour lancer le programme. Ah, oh, j'ai même pas le temps de lire. Oh, les gars. Eh, je suis pas Flash Gordon de la lecture, moi. Ramasser, bah oui, bah c'est sûr. Hein. Ça, pour ramasser, il y a des trucs à ramasser. Hein. En gros, on est les Roumains de l'espace. Ah oui, ça c'est ça, oui. Je me rappelle, on appuie sur le bouton X et on recule. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir les boutons. Alors là, on a sur Select, on a la carte. Sur Start, on a la pause. Répéter la mission. Recommencer, quitter, continuer. Triangle, ça fait quoi? Rien. Carré, ça fait accélérer. X, c'est reculer. On a la croix directionnelle qui nous fait tourner. Rond, rien. R1. Rien, L1, rien, L2, rien, A. Voilà, ça y est. R2, ça nous fait tirer. Merde, je crois que j'ai tiré le bonus. Ah, ok, il faut peut-être détruire. Ça va, il n'y a personne donc on a des munitions infinies apparemment. J'ai du mal avec les boutons. Hein. Quelle idée aussi de mettre le bouton accéléré sur carré. Franchement, putain, des fois. X c'est pour freiner puis reculer. Ok. Alors, ça c'est quoi ça? Non, apparemment ça ne peut pas exploser. Ah, on a un choix. À droite ou à gauche? À droite ça m'a l'air plus simple parce qu'il y a des lampes. Il n'y a pas d'air donc on va tenter pour aller sur la droite. Des petits bonus. Voilà. Alors en ce moment je fais des let's play puisque il n'y a plus trop de brocante. Je vais peut-être tenter là ce week-end. Donc là j'enregistre la vidéo, elle va passer je pense le 1er novembre, le 1er décembre pardon. Hop. Parce que là, on est là au moment où j'enregistre, on est le 28. Donc, je prépare vraiment à l'avance les vidéos. Hein. Ah, ça ouvre la porte. Donc ce week-end, j'ai peut-être un vide-grenier ou alors un. Non, pas un vide-maison, mais un. Ah, oh, je sais pas, un foire aux jouets. Comment on appelle ça? Donc on va voir. Ah! Mon premier ennemi. La bourse aux jouets, voilà, sachez le nom. La bourse aux jouets ce week-end, peut-être. On l'ouvre à 9h. À voir si je trouve quelque chose. J'ai jamais essayé. Je vais mettre trop. J'ai dû en faire, mais. Je vais trop essayer. Donc, ça sera l'occasion. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à faire de la foire aux jouets. Donc, je me dis, tiens, je vais tester. J'avais dû essayer un temps, j'ai pas trouvé mon bonheur, donc du coup j'avais dû laisser tomber. On va tester parce que j'ai vu qu'il y avait un endroit près de chez moi. Il y avait marqué jouets, périculture, tout ça. Et il y avait marqué jeux vidéo et console. Donc j'ai fait ah, ah, là, ça me tente. Et bon, rien ne dit qu'il y aura des consoles et des jeux vidéo non plus. Hein.
Si personne n'en ramène, il n'y en aura pas. Hein. Donc on va tester ça. Waouh. On a un ennemi. Waouh. Oh, il y a un maxi bonus là. Ah merde, je suis sur une mitrailleuse là. Et il y en a une autre là. Et une autre là. Ah, j'ai droit à trois mitrailleuses là. Par contre, l'énergie là, c'est pas ouf. Hein. Tu sais que tu peux exploser ça. Ah bah si, voilà. Alors, donc comme je disais, il y a une belle bourse jouée là ce week-end, donc ça dure samedi dimanche. Donc je vais tester ça. Et si ça vaut le coup, bah, le seul problème par contre c'est qu'il faut avoir le pass sanitaire. Donc si j'ai pu péter ça, donc je devrais pouvoir péter ça. Voilà. Par contre j'ai l'air d'avoir plus beaucoup d'énergie là. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir des trucs de ouf. Hein. Ah, je crois que c'est la fin. Yes! Alors là, si j'aurais été sur PlayStation 4, il y aurait eu un trophée. Qui avait ding ici, là, sur l'écran. Bon, bah déjà, j'ai fait un meilleur score que sur le tableau des scores qui avait marqué là. J'ai fait score total 71 000. Les meilleurs scores, le dernier score c'était 20 000, donc déjà j'ai réussi à le passer. Option, le problème c'est que j'ai pas de carte mémoire. J'ai pas de carte mémoire. Bon, ça, ça a été, hein, c'est pas trop difficile. On est à 12 minutes de vidéo. Bon, je vais faire encore un petit niveau et après j'arrête. À vos marques, prêt, partez, ouais, c'est parti. J'ai du mal avec les touches là. D'accord que c'est infini. Hein. Mais est-ce qu'on a que ça comme arme? On a que ça. Hein. Ah non, non, il y a, non, il y a rien, il est marqué 0 donc non. Donc il est marqué 0 donc il sait qu'il n'y a rien. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, hein, s'il y a des choses que je dis, peut-être que je dis des erreurs. Hein. J'avoue que j'ai voulu faire une vidéo sur Track and Field, sur PlayStation 1, que j'ai récupéré en Grenier, putain mais c'est une horreur. Allez, Track and Field, waouh. J'y connais rien du tout, moi. Tout ce qui est sport, de toute façon, en général, moi, je suis une buse. Même que ce soit dans la vraie vie ou dans les jeux vidéo, je suis très mauvais. Allez, fumée. Allez, crève. Voilà, oh putain, bah oui. Bien sûr, emmène-moi dans les missiles. Voilà. D'énergie, hein. Putain, mais j'ai tout ce que j'ai quand même. Ah, j'ai peut-être une nouvelle arme. Ah,
Merde. Merde, comment on fait? Ah ok, d'accord. Ça c'est de l'énergie, non? Non. Peut-être ça. J'ai loupé plein de bonus, là je le sens. On va retourner un peu en arrière parce que là j'ai loupé plein de trucs. Ah là il y a un truc. Extra booster. Ah, j'ai du mal avec les boutons. Et ça va, hein. Je m'en sors plutôt pas mal, hein. Un jeu que j'ai pas joué depuis X années. Je vous le dis très clairement, ce jeu, depuis plus de 25 ans que j'ai pas dû y jouer. La dernière fois que j'ai dû y jouer, ça doit être en 98. Hein. J'ai fait essayer quoi ce truc et après, boum, j'ai laissé tomber. Hein. Ah, 8-13. Voilà. Moi, je fais un point d'honneur à jouer à tous les jeux que j'achète. Hein. Non, on va pas aller plus loin. C'est bien d'acheter des jeux, mais si c'est pour pas les essayer, ça vaut pas le coup. Hein. Par exemple, le Cold Winter, je pensais que c'était une grosse merde, par exemple. Ben, j'ai kiffé. J'aurais pas fait de let's play, si ça se trouve, j'aurais fait un échange avec quelqu'un ou ça serait resté dans le placard sans être joué. Et par contre, c'est vraiment, ça pique les yeux. Faut vraiment jouer avec une console, genre une PS3. Faut vraiment attendre que Sony sorte une PS5 étant compatible avec les jeux PS1, PS2, PS3 et PS4. Enfin, PS4 j'ai déjà fait, mais ce serait bien la PS1, la PS2 et la PS3 en même temps sur une seule et même console. Ça serait le feu de Dieu. Alors, où est-ce qu'on va? Plouf, plouf, ça sera toi que je prendrai au bout de 3. 1, 2, 3. Ok, bon, voilà. Oh putain! Je crois que c'est pas bon signe, ça. Pas rester à côté, hein. Ah, quand même, il y a un truc. Ah, mais je suis échoué. Bon, bah voilà, de toute façon, on était arrivé presque à 20 minutes. Donc, voilà, c'est tout pour ce jeu. C'est Tunnel B1, sorti en 96. Si ça vous a tenté, bah, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Moi, j'ai dû l'acheter, je sais même plus où je l'ai eu. Ça m'étonnerait que ce soit le mien d'époque. La société Océan, il n'existe même plus, je crois. Hein. Je crois, hein. Ah, moi, j'en ai pas entendu parler, donc elle doit plus exister. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour ce let's play. Peut-être qu'un jour je ferai un long play sur ce jeu, je sais pas. S'il y a des commentaires qui me le demandent, bah, je le ferai. Hein. Mais sinon, pour l'instant, je vois pas trop intérêt. C'est sympa. Bon, je lui donne quand même une note, allez, parce qu'il faudrait que je pense à mettre une note à chaque jeu que je joue. Je lui donnerai un. Pas un, quand même, parce qu'il est marqué TLB1. Je lui donnerai un 6 sur 10. Ouais, c'est pas mal, 6 sur 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. Plus on est nombreux, ben, plus on est à regarder des vidéos et puis plus c'est sympa, quoi. Allez, ciao, merci.